السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, petit live, ça fait très longtemps. Wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Espérons que vous allez toutes et tous bien, par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala. J'ai peur de dire petit live. Je dis ça parce que, voilà, en général, j'utilise le terme petit live et il dure longtemps, mais là, j'espère, en tout cas, c'est mon intention, de le faire court, inch'Allah. Voilà, parce qu'il y a un séminaire qui va commencer. Donc, attends, j'ai là cette semaine. Mais il y a un groupe qui arrive du 19 au 26, donc je ne vais pas pouvoir trop tarder. Donc, vous rigolez déjà quand j'ai dit petit live. Non, Inch'Allah, c'est vraiment l'intention. On va veiller à ne pas faire trop de virgules. Salam alaikum, j'ai une question. Peut-être interpréter le tafsir en fonction de nos vies. En fait, le tafsir, c'est une chose, et puis la méditation, c'est une autre. Donc, il y a d'abord l'étape du tafsir. Le tafsir, c'est la compréhension du Coran, l'explication du Coran. Quant au sens des versets et la méditation, ce qu'on appelle tadabbur, c'est ce qu'on en retire en fait, un peu personnellement. Et il faut passer d'abord par le tafsir pour ne pas comprendre les versets de travers. Il faut commencer par la compréhension des versets en fait. Qu'est-ce qu'il veut dire le verset? Et c'est à travers la compréhension du verset qu'après il y a une deuxième étape qu'on appelle celle de tadabbur, qui renvoie à la méditation. Et effectivement, le Coran nous parle, bien évidemment, il parle à chacun d'entre nous, mais c'est, voilà, on ne peut pas faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas. Le danger, si on ne va pas consulter les livres de tafsir, il y a un risque de faire dire au Coran ce que le Coran ne dit pas. Je peux vous dire que, sur base du fait que voilà, je dois préparer des cours, comment dire ça, sur base des cours que je dois préparer, donc les vendredis je donne cours notamment d'explication des sourates, mais je ne les tire pas de mon chapeau, hein, donc je vais puiser dans des recueils, notamment celui d'Ibn Ashur, qui est un spécialiste de l'explication du Coran. Et je vous promets que lorsqu'on essaie de comprendre des versets directement sans passer par les livres de tafsir, on est très très souvent à côté de la plaque, très très souvent on comprend les choses d'une manière erronée. Donc pour la personne qui posait la question, est-ce qu'on peut interpréter le Coran pour soi, c'est clair que le Coran s'adresse à nous, qu'il y a des messages dans le Coran, qu'il y a des versets qui vont nous parler. Quand ceux-ci sont clairs, c'est-à-dire qu'ils sont clairs et explicites, même en français, par exemple tous les versets sur l'unicité d'Allah, sur la création des cieux et de la terre, bien évidemment c'est accessible. Quand Allah parle du soleil, parle de la lune, parle de la contemplation, bien évidemment, toute personne voilà, a accès à ça. Mais il y a des versets pour lesquels, et pas mal de versets pour lesquels, sans avoir accès à l'exégèse, donc à l'explication des spécialistes, on peut très rapidement en fait, se retrouver à se perdre. Moi, j'aime bien beaucoup Ibn Ashur, mais il est fait pour... Il faut avoir quand même certaines connaissances, parce qu'il est quand même, le niveau, il est relevé. Au niveau de l'arabe, il va vraiment dans les détails techniques. Sinon, je crois qu'il y avait celui de Cheikh Saadi, hein, qui est très très accessible. Je pense que c'est celui de Cheikh Saadi, rahmatullah alayh. Je pense qu'il existe en langue française. Il est plutôt accessible. Puis vous avez en français celui d'Ibn Kathir, hein, qui est connu. Mais vous n'avez pas beaucoup d'ouvrages, en fait. Les tafsirs en français, vous n'en avez pas énormément. Alors qu'en arabe, il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Mais la profondeur, on la retrouve, hein, chez des personnes comme Ibn Ashur. Ibn Ashur, c'est du tafsir de haut niveau. Moi, j'aime beaucoup. Je me base énormément sur Ibn Ashur en termes de texte à lire. Après, pour le reste, je vais quand même consulter d'autres, comme Cheikh Farid Ansari, rahmatullah alayh. Il y a un frère qui s'occupe de ça. Il y a un compte Instagram, une chaîne YouTube dédiée à la traduction des explications des versets du Coran de Cheikh Farid Ansari, rahmatullah alayh. Ça, c'est très très intéressant. Puis vous avez des gens comme Cheikh Mustafa Bouhiaoui,
c'est à un niveau très très élevé, c'est en langue arabe tout ça. Et puis pour les francophones ou les personnes qui parlent en anglais, vous avez des vidéos d'un contemporain hein, qui est connu, qui est Noman Ali Khan. Franchement, il est très intéressant lui aussi. Quand il explique le Coran, il a une manière d'expliquer les choses, de les présenter qui est très très touchante, qui est très impactante. Et c'est ça le but de la compréhension du Coran, c'est que ça impacte notre cœur, c'est que cela crée à l'intérieur de nous une connexion avec Allah, c'est de nous faire aimer la parole d'Allah, de nous faire réfléchir sur notre vie, sur l'au-delà, sur la condition de l'être humain, c'est de trouver des réponses à nos questions, c'est de trouver de la paix, du réconfort. Donc bien évidemment que quand on tombe sur des personnes qui sont en mesure de nous faciliter la compréhension, ça fait du bien, hein, parce que le Coran, il est là pour ça. Hein. Qui est là pour apaiser les cœurs. Mais voilà, pour revenir à la question de base qui m'a été posée, voilà, faut faire attention de ne pas essayer d'interpréter le Coran, en tout cas pour les versets qui demandent des explications, soi-même, car on peut très rapidement en fait mal interpréter les choses. Et puis il y a toute la partie qui est accessible même pour des enfants. Mais voilà, Norman, il est très très bon. Norman, Cheikh Khalil Ansari, comme je le disais, ceux qui ont un peu l'arabe, Cheikh Khalil Ansari est très accessible. Puis vous avez les traductions, hein, qui sont faites aussi, comme je le disais. Après, vous avez des niveaux beaucoup plus relevés, comme Cheikh Mustapha Bouhiaoui, c'est un niveau relevé. Vous en avez d'autres qui sont bons aussi. Hein. J'aime aussi Cheikh Bassem Jarrah, c'est de nouveau en arabe. Très intéressant aussi. Et voilà encore pas mal d'autres. Donc, ça, c'est pour le tafsir. Mais c'est clair que le tafsir, c'est délicieux. Hein. Franchement, baigner dans la. Plonger dans la profondeur coranique, c'est très 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 puissant. Ça soigne et ça guérit les cœurs. Hein. Ça amène vraiment de l'apaisement. On en a besoin en fait. On en a vraiment besoin au quotidien. C'est notre oxygène, c'est notre eau, c'est notre vie, c'est notre esprit. C'est tout. Hein. Pour nous, c'est tout. Toute notre vie. Car c'est la guidance, la guidée ultime. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à la question qui m'a été posée sur le tafsir. Alors, il y a une boîte à questions. Hein. La boîte à questions, elle permet juste que vos questions ne se perdent pas. Donc, parce que les questions qui sont écrites là, ça défile, tac, 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 tac. Donc, je n'arrive pas forcément à suivre. Mais il y a une boîte à questions qui permet justement de ne pas les perdre. Donc, voilà. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de faire de live sur Instagram. Déjà, parce que j'étais en voyage. Donc, voilà, j'étais pris en Belgique. Attendez, il y a des questions. C'est quoi ici? Ma question était plutôt, peut-on s'approprier un verset qui a été sorti pour une histoire d'époque, comme par exemple avec la difficulté vient la facilité? Oui, ça bien évidemment, que ce verset-là, c'est un verset, donc le sens est clair, net et précis. Et effectivement, c'est un remède pour tout croyant. Donc c'est clair qu'avec des versets comme ceux-ci, c'est des versets accessibles. Donc avec la difficulté vient la facilité, ça c'est clair, quoi. Je veux dire que, voilà, en termes de compréhension, c'est simple. Donc bien évidemment, oui, on invite les personnes, effectivement, à puiser le nectar de ces versets et à aller prendre de la force avec ces versets et à aller soigner leur cœur avec ces versets. Car effectivement, avec chaque aujourd'hui, c'était le thème justement, un programme que j'ai donc d'accompagnement sur 24 séances collectives et 4 individuelles qui s'appelle Renaissance. Justement, on a parlé de ça, que la difficulté, en fait, c'est celle qui facilite les choses dans la vie. Salam alaikum Malik. Malcolm. Petit bug. Okay. Donc oui, c'est ce genre de versets, ce sont des versets bien évidemment à prendre pour soi, et c'est des versets qui doivent nous inspirer, nous donner de la force. Parce qu'on a besoin de force. Hein. Sans force, on est amené à faner comme les plantes, hein, comme une rose. Et ces versets ramènent de la paix à l'intérieur. Malik, tac, tac. Il est là, notre ami Malik. Quel livre en français que j'ai vu pour le tafsir? Alors, je vais mettre la question ici. Donc, quel livre de tafsir en français? Saadi. Donc, l'imam Saadi, c'est un livre intéressant. Mais je vous ai dit, Ibn Ashur, c'est le plus puissant. En termes de profondeur, en termes de paix du cœur, Ibn Ashur, c'est celui, moi, avec lequel je trouve les éléments les plus puissants. Sans oublier, je vous ai dit, en vidéo, il y a le Nu'man Ali Khan, qui est très, très intéressant. Franchement, il est hyper touchant. Il a une capacité à pouvoir expliquer les choses de manière très très simple, de manière imagée.
Et vous en avez d'autres. Chez les arabophones, vous en avez d'autres. Par exemple, celui que j'aime beaucoup, mais le niveau, il est très élevé. C'est celui de Cheikh, comme je disais, Mustapha Bouhiaoui. D'ailleurs, c'est avec lui que j'ai découvert ce qu'on appelle les sagesses d'Ibn Ataïla. Les sagesses d'Ibn Ataïla, c'est un trésor. Hein. J'ai le livre ici. Vous pouvez l'acheter. Je vais vous montrer. Hop. 103 volumes. Franchement, celui-là, c'est un de mes préférés. D'ailleurs, je donne cours des sagesses. Bon, ça, c'est le volume 3. Je ne sais pas si on va le voir parce que tout est inversé ici. Vous savez, on va faire quoi? On va faire comme ça. Voilà, ce livre-là, franchement, pour moi, c'est l'un des livres qui m'a transformé intérieurement. Franchement, ça amène une compréhension de la religion, une profondeur, une connexion avec Allah Tabarak wa Ta'ala inégalable. Quand je dis inégalable, bien évidemment, il y a d'autres ouvrages, mais vous savez que quand on parle de livres, on est des fois dans l'hyperbole, on dit des choses très fortes, mais c'est d'une puissance. Et moi, j'ai eu l'avantage aussi de suivre. J'ai découvert les sagesses à travers les vidéos du cheikh dont je vous parlais, Mustapha Bouhiaoui, qui en 12 épisodes. Donc, c'est 12 vidéos dans lesquelles il parle des sagesses d'Ibn Ataïla, qui durent 2h30. Je pense que la série, je l'ai faite peut-être 10 fois. Mais comment ça m'a ouvert les yeux, en fait, sur la compréhension de la religion et de la profondeur des noms et des attributs divins, à un niveau que je ne peux même pas vous expliquer, en fait. Et ces sagesses, elles sont venues à un moment très important. Je me souviens que je les écoutais un certain moment au bord de la mer, parce que la mer, elle participe aussi. Hein. Vous avez vos écouteurs, il y a le sable et tout. Et c'était un voyage, en fait, vers la contemplation de la grandeur d'Allah Tabaraka vers la compréhension, en fait, de notre condition d'être humain, de pourquoi on est sur Terre, aussi des plans divins. Il y a des choses dans les sagesses en matière de compréhension de la grandeur d'Allah Tabarak, incroyable. Franchement, ça m'a permis de revisiter des histoires que je connaissais déjà, mais de les comprendre encore mieux. Il y a pas mal de choses comme ça qu'on comprenait encore mieux. Franchement, moi, là, je suis en train de voyager, hein, je vous parle, mon esprit, il est en plein voyage parce que c'est beau. J'ai envie de vous dire que c'est beau. Subhanallah, toute personne qui développe une connexion avec Allah Tabaraka wa Ta'ala et qui développe à l'intérieur de son cœur une proximité avec lui, une conscience en fait, une vue du cœur qu'on appelle en langue arabe le basira, donc que son cœur en fait se connecte à la grandeur d'Allah et commence à voir à travers la vie, les rencontres, les choses autour de nous. Cette grandeur d'Allah s'exprimer à travers les choses qui nous entourent, franchement, ça met dans un état que je ne sais pas vous décrire, si ce n'est par le fait de le vivre. C'est par le fait de vivre ça qu'on peut le comprendre. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai eu 4 consultations avant la semaine à Tanger, j'en ai eu 4 au total, donc c'était un marathon. Et c'est incroyable à quel point, en se basant sur ce genre de sagesse et cette compréhension, ça nous permet de libérer les gens par la grâce divine, bien évidemment, d'un poids et d'une charge émotionnelle intense. Et ce poids et cette charge émotionnelle intense est le fruit d'une perception, d'une manière de voir les choses, en fait, qui n'est pas en adéquation avec la sagesse divine, et une perception de la réalité, en fait, qui est couverte par des voiles, qui sont des fois les voiles de nos blessures, qui sont des fois le voile des désirs égotiques, qui sont des fois le voile d'être trop attaché en fait à sa personne et à ses besoins. Et lorsqu'on arrive à en ôter ces voiles, finalement, c'est d'enlever tout ça, d'enlever les voiles pour pouvoir voir la lumière en fait derrière le voile. Lumière ici, dans le sens de voir la grandeur d'Allah se manifester derrière cela, ça libère en fait. C'est libérateur. Parce que tout événement, toute chose, toute situation est toujours là pour nous en apprendre davantage sur nous. Il y a deux choses clés, hein. Même Cheikh Mustapha Bouhiaoui l'expliquait, c'est que notre vécu et notre vie et les choses qu'on est amené à vivre sont là pour nous apprendre, nous en apprendre davantage sur nous et sur notre Créateur. Donc si vous voulez résumer la vie, en fait, la quête dans laquelle on doit tous se retrouver dans la vie, c'est une quête d'introspection, donc une quête par laquelle je dois apprendre à me découvrir.
Me découvrir, ce n'est pas me découvrir avec l'ego, hein. C'est de découvrir la créature que je suis, créature d'Allah, et de faire l'expérience, en fait, de la vie humaine. Parce qu'Allah tabaraka nous a amené à piloter cette âme et ce corps. Et à travers le fait de piloter cette âme et ce corps, de vivre ses émotions, d'avoir nos pensées, d'être humain, humaine, à travers cette expérience, on pilote de l'intérieur une créature d'Allah, qui est notre personne, en fait. Et en même temps, à travers ce travail d'introspection, il y a cette connexion à la grandeur d'Allah, en fait. Donc, il y a toujours une double dynamique dans la quête spirituelle. Il y a une dynamique qui est liée à la recherche d'Allah, tabarakata, à la recherche de la connaissance de celui-ci, à la recherche de la sagesse, qu'on appelle l'hikma, mais également par le fait d'être notre propre personne, d'être acteur, actrice de notre vie, de notre vécu. Il y a une volonté de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et de faire un travail d'introspection, d'aller au cœur de ce que nous sommes. Et le cœur de ce que nous sommes, c'est au-delà de tous les conditionnements, au-delà de toutes les blessures, au-delà de tous les besoins égotiques. Mais c'est d'aller au cœur de ce qu'on appelle l'esprit, ruh en langue arabe, parce que finalement, ce qui agit à l'intérieur de notre corps, c'est ce qu'on appelle nefs, l'âme. Mais cette entité qu'on appelle l'âme, à la base, elle est esprit. Et l'esprit, c'est une créature d'Allah tabaraka qui échappe à la connaissance humaine, qui échappe aux capacités humaines. Mais c'est une chose, l'esprit, ruh, qui s'expérimente à travers le corps, à travers le nefs. Et quand, subhanallah, on arrive à faire tout ce travail, en fait, dans le livre d'Ibn, ici, des sagesses d'Ibn Atta, là, le terme utilisé, c'est tejerid, qui renvoie au dépouillement. Donc, qui renvoie au fait d'ôter quelque chose, en fait. D'ôter entre nous et la vision du cœur de notre Seigneur, tous ces obstacles, et la vie d'ici-bas, avec toutes ces parures, toutes les choses qui composent la vie d'ici-bas, sont des obstacles. Lorsqu'on est focalisé sur la dunya, on est focalisé sur la dimension des choses liées aux besoins humains, etc., etc., et qu'on est trop dedans, ben on oublie de voir à travers ceci la grandeur d'Allah, tabaraka. On oublie Allah là-dedans. Et c'est ça qui amène l'être humain des fois à se perdre et à souffrir, c'est que des fois il est tellement concentré sur les choses vers lesquelles son âme tend, qu'il en oublie le pourvoyeur, le créateur. Il va, Allah tabaraka, par l'éducation, hein, par laquelle il va nous faire passer, va nous amener, en fait, à travers ces objets désirés, ces choses de la vie, à expérimenter, en fait, des émotions comme la peur, la tristesse, la joie, des fois même la colère, pour en tout cas, quand on est croyant, pour nous amener, en fait, à un détachement des choses, des objets désirés, pardon, mais à rechercher, en fait, l'agrément d'Allah tabaraka à travers ces choses-là. C'est-à-dire d'apprécier les choses qu'Allah nous donne parce qu'Allah nous les a données. Et plus d'apprécier les choses parce que c'est mon désir égotique qui tend vers ces choses-là. Donc il y a tellement de choses à dire. Moi, si je commence à ouvrir la porte, là, je commence à parler, on est parti. On est parti jusqu'à. Voilà, on va s'étaler comme ça jusqu'à minuit. C'était pas le but, c'était une petite visite. C'est Michael Malik. Je n'étais même pas, j'étais tellement dans mon Peke Floyd, frère, que. Ça va? Je n'ai même pas dit ni salam ni rien. Ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah. Ça fait longtemps que t'as pas vu là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai disparu, frère. J'étais en Belgique déjà. J'étais pris là-bas avec les cours et tout, et j'avais pas trop le temps. Et là, voilà, comme j'ai dû revenir, mettre des choses en ordre et tout, je me suis dit, pourtant j'ai eu une longue journée. Hein. Franchement, j'ai eu une longue journée. J'ai eu le matin le programme là, de groupe là, que j'accompagne. Et puis j'ai eu quatre consultations toute la journée. Je me suis dit, tu sais quoi? Bah, je vais profiter pour faire un petit live Instagram que je veux court. Hein. Je dis ça, mais tu me connais. Donc, je suis monté avec l'idée de me dire, je vais faire un petit partage, tu vois. Et voilà quoi. Du Puis, coup, les questions, là, je voyais une question affichée, là. ouais, en fait, cette question elle a été posée. Donc, j'avais dit aux personnes de noter leurs questions dans la boîte aux questions. Et il y avait une question sur les livres d'exégèse et tout. En français, donc j'avais parlé du livre de Cheikh Saadi. Il y a en français aussi Ibn Kathir, hein, qui est connu, mais il n'y a pas beaucoup de livres en français. Et donc j'ai glissé après sur le livre, mais c'est en arabe, d'Ibn Ashur, Rahmatullah alayhi. Franchement, c'est un livre passionnant en matière de tafsir. Et puis j'ai glissé en parlant de Cheikh Mustapha Bouhiaoui,
qui est un expert dans le tafsir, il expliquait aussi les sagesses d'Ibn Ata'illah, tu vois. C'est comme ça que je me suis retrouvé à... Allié, ça part dans tous les sens. Exactement, c'est là où mon cerveau, je sais pas si on peut dire comme une toile d'araignée, il est parti dans pas mal de choses qui me parlent. Et je pense que les choses que j'ai partagées, c'est des choses profondes, tu vois. Parce que souvent, l'islam, les gens le résument au halal, haram, à la jurisprudence, et même les questions, la plupart des questions qui sont posées en général sont des questions plus d'ordre juridique. Mais la beauté, la puissance de notre religion, le juridique, c'est une sorte de muraille, c'est une protection, en fait, pour protéger le joyau qui est le cœur. Donc, toutes ces lois, elles sont là pour nous protéger, tu vois, protéger notre foi, via la taqwa et autres, ne pas faire du mal aux gens, ne pas se faire du mal à soi. Mais le cœur, en fait, qu'on cherche à protéger par le juridique, ça doit être le royaume de l'amour d'Allah, tu vois. Et moi, ce qui me parle le plus dans la religion, ce que, comme diraient les jeunes, ce que je kiffe le plus, c'est tout ce qui est lié à la méditation, tu vois. Tout ce qui est lié à la grandeur d'Allah qui se manifeste dans notre vie, dans notre vécu, dans les rencontres, dans les projets, tu vois. C'est de rechercher la présence d'Allah dans toutes ces choses, en fait. Quand on dit présence d'Allah, c'est bien évidemment ses noms, ses attributs, son pouvoir créateur, sa sagesse et tout, tu vois. Et ça, c'est beau. Et ça donne vie, en fait, à ta foi. Ta foi, elle a une âme, elle a une profondeur, tu vois, tu vis quelque chose qui amène à des vibrations de ta peau, à la chair de poule, tu vois. Quand tu vas dans ton tapis de prière, tu ressens vraiment, tu vois, cette présence d'Allah, tu vois. Et moi, c'est ce que je kiffe, si on peut utiliser des termes un peu plus jeunes, tu vois. C'est ce que j'aime le plus dans la religion, tu vois. Même si j'aime aussi la jurisprudence, parce que j'aime le côté intellectuel de la jurisprudence, le côté toutes ces règles, tu vois, et aussi toute cette sagesse qui se dégage derrière celle-ci. Mais la jurisprudence, comme je disais, elle est là pour protéger quelque chose. Elle définit des règles, comme le code de la route, il est là pour protéger les conducteurs, les usagers. Mais le but, c'est à travers le code de la route, c'est de rouler, en fait, et d'arriver à bon port, passer d'un point A à un point B, profiter de la route si c'est un long voyage sur l'autoroute et tout. Et des fois, j'ai l'impression qu'on oublie cette dimension, en fait, de voyage spirituel, de cette connexion avec le cœur, cette grandeur d'Allah qui s'apprécie, tu vois, dans chaque chose au quotidien, dans la gorgée d'eau que je vais boire, dans la bouchée de nourriture que je vais mettre dans ma bouche, tu vois, dans l'air que je respire. Là, je peux respirer normalement. Quand on est enrhumé, ce n'est pas le cas, tu vois, l'air que je respire, tu vois. Voir toute cette grâce divine, prendre conscience de cette grâce divine, en fait, qu'on retrouve dans chaque chose, en fait. Je peux voir ici, hein, et tu sais très bien, toi, Malik, de par le fait d'être éprouvé, hein, Allah subhanahu wa ta'ala t'a éprouvé par la vue, que c'est un cadeau, une grâce divine de pouvoir voir sans avoir mal aux yeux. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ah oui, c'est quelque chose de. Ça te. Par cette maladie, il m'a ouvert les yeux, je dis toujours ça. Subhanallah, Avant, j'avais tu les yeux fermés, vois. je ne voyais pas. Et là, je vois des choses que je ne voyais pas avant. Donc, ouais, Subhanallah, tu vois. à méditer. Voilà, c'est pour ça que je dis, si tu n'avais pas été touché par cela, tu n'aurais pas pu prendre conscience, en fait, de cette faveur et de cette grâce divine, tu vois, de pouvoir user de tes deux yeux. Moi, par exemple, c'est au niveau auditif, tu vois, depuis que je me suis fait opérer l'oreille gauche, ben voilà, cette oreille, je suis à 1 sur 10, plus les acouphènes 24 heures sur 24. Je te promets que maintenant, je me suis habitué, mais au début, je sentais la différence du subhanallah, tu vois, j'avais ça gratuitement et je n'ai jamais pris conscience, en fait, de cette faveur et de cette grâce divine, tu vois. Et c'est ça que j'aime, tu vois. J'aime prendre des fois des moments de réflexion et de m'arrêter comme ça, de mettre un stop et de réfléchir, en fait, à tous ces bienfaits d'Allah Ta'ala. Parce que ces bienfaits cultivent la gratitude dans notre cœur. C'est-à-dire que ça amène à un état, en fait, de paix, de lâcher prise, de tranquillité et d'apaisement. Parce que finalement, tu vois, les gens, ce que je disais dans mes cours aussi, hein, les gens souvent nous parlent du verre à moitié vide, à moitié plein, qu'il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est Souleymane qui m'avait dit ça une fois, j'ai aimé la manière dont il a expliqué, on était à deux, il me parlait ça. Et il me disait, ah bon, qu'en vérité, le verre, il déborde. Et dans ma tête, je me disais, en fait, il a raison. Le verre, il déborde. Réellement, lorsqu'on est amené à poser notre regard sur les dons divins desquels on est touché, en fait, le verre, il n'est pas à moitié vide ni à moitié plein. Il déborde. Et c'est le problème de notre temps et d'une forme d'ingratitude qui nous amène à ne pas voir ça, tu vois. Ouais. On ne voit pas ça, tu vois. Mais il le dit hein, dans le Coran, Sourate Nahl. An-Nahl, Nahl. verset 18. Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Exactement, tu vois. Et c'est ça le but. Le but, l'enjeu pour nous spirituel,
c'est de rechercher justement, tu vois, à prendre conscience de ses bienfaits, à être dans choc, la reconnaissance, pour ne pas se retrouver, tu vois, à devoir perdre une chose pour pouvoir en avoir conscience. C'est triste, hein, mais l'être humain, c'est quand il perd certaines choses qu'il prend en considération la valeur de ces choses. Ta santé, tu vois, le temps libre, plein de choses, tu vois, comme ça de la vie, tu vois, auxquelles on ne fait pas forcément attention, tu vois, et qui ont leur importance, tu vois. Et on est dans une société, on est dans un monde, en fait, où matin, midi et soir, tu vois, on nous balance des pubs, on est confronté, tu vois, on nous martèle avec cette question de manque, tu vois. Il n'y en a jamais assez, il faut toujours plus, 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 plus. Toujours un nouveau truc, tu vois. Même avec les téléphones, ils te sortent l'iPhone 14, ils parlent déjà du 15. Après le 15, ils vont parler du 16. Samsung, ils viennent de sortir le dernier. Et en fait, on est en train de cultiver à l'intérieur de nous un état intérieur qui est celui de ne jamais être satisfait, en fait. Toujours en vouloir plus, toujours du nouveau. Et ça joue, hein, parce qu'on est conditionné avec ça, en fait. Parce que l'idée, c'est de nous conditionner pour vendre et augmenter le chiffre d'affaires de toutes ces grosses boîtes, ces multinationales. Et des fois, de revenir à des choses très simples, et d'ailleurs, Inch'Allah, ta'ala, on aura l'occasion avec le voyage Inch'Allah, que tu as organisé, en fait. Quand je dis organisé, c'est toi qui as pris ça en main, tu vois, Inch'Allah, par le fait de pouvoir aller à Zanzibar et de faire de l'humanitaire, on va, tu vois, revenir aux besoins de base. C'est-à-dire aux choses, on va voir des gens, tu vois, qui n'ont pas un millième, peut-être un millième de ce qu'on a, tu vois, qui vivent dans des conditions très précaires. Ben, pour moi, ça, ce sont des vaccins, si on peut dire ça comme ça. Vaccins halal qui marchent. vois, par rapport justement à cette ingratitude. Moi, je me souviens, quand j'ai été aux Pyrénées la dernière fois, ça a créé à l'intérieur de moi de la gratitude pour des choses très simples. Tu vois, le fait d'avoir froid, la neige, l'inconfort, tu vois, pas de lit moelleux. Hein. La première nuit, on a dormi à l'extérieur, sur des briques, sur un isolant sac de couchage. Ben, je te promets que quand la nuit d'après, on a pu dormir dans un refuge, même s'il faisait froid ou quoi, d'avoir de l'eau, tu vois, de l'eau chaude pour se laver, un toit, si je peux dire ça, comme ça, tu vois, un lit, de la nourriture qui t'attend, tu vois, déjà chauffé, je me disais, subhanallah, tu vois. En dehors de ça, les gens vont dire, waouh, tu vas dire, waouh, super, tu vois. Mais nous, en tant que musulmans, on va dire subhanallah, tu vois. Je me dis, je dois me retrouver là-dedans, galérer, avoir froid, dormir mal sur des pierres et tout, pour prendre conscience, en fait, de toute cette grâce divine, de tous ces dons divins. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre vie, justement, il nous amène à vivre certaines choses que les gens appelleraient des épreuves, ou certains verraient ça comme des châtiments, tu vois, qui sont juste là pour nous indiquer, hein, comme les témoins lumineux dans une voiture, tu vois, quand tu as un truc qui s'allume, pour nous rappeler, en fait. Tu voyais plein de choses. Va te la faire voir aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est beau, tu vois. Ça, plus les rencontres. Là, je vais rentrer un peu plus dans la question des plans divins et tout. Mais si ici si je suis avec toi en live et si ici si on peut partager ce live et aussi l'amitié, hein, parce que voilà, je peux témoigner ici devant les gens que Malik, même si on s'est vu que deux, trois fois, c'est un frère que je porte dans mon cœur, comme si on se connaissait depuis l'enfance. Subhanallah, tu vois. Qui aurait pu organiser une rencontre comme ça? Parce que finalement, ce qui me lie avec Malik, c'est l'amour d'Allah. On s'est rencontrés pour Allah. C'était via, il était venu voir pour me proposer un live. On s'est rencontrés donc sur le net pour Allah. On s'est rencontrés physiquement, en présentiel pour Allah. Et on continue à mener des projets pour Allah. Chaque fois qu'on est amené à se voir ou à se réunir ici en live ou quoi, c'est pour Allah et par l'amour d'Allah. Je trouve ça super beau, en fait. Et je me dis, comment ça se fait qu'une personne que j'ai peut-être vue physiquement une ou deux fois dans ma vie, ben, c'est comme c'était, il fait partie de mes meilleurs potes, quoi, d'enfance. Je sais pas comment tu le vis, toi, Malik, mais moi, vraiment, je le vis comme ça, tu vois. Donc, je trouve ça, je me dis, là, il est là, tu vois. Je t'aurais jamais rencontré, tu m'aurais jamais rencontré si tu n'avais pas eu le vécu que tu avais eu, les épreuves que tu avais eues, et moi, de mon côté aussi, si je n'avais pas eu mon histoire, etc., etc., tu vois. Et c'est ça qui m'impressionne, tu vois, c'est que, à partir du moment où ton cœur, il est illuminé par l'amour d'Allah, tu vas attirer des gens qui aiment Allah. C'est comme ça, tu vois. Allah, il fait qu'on se rassemble avec les gens qui ont un cœur qui tend vers les mêmes valeurs et les mêmes principes. Donc, subhanallah, celui ou celle qui fait le choix d'Allah va finir, par la grâce divine, à être rassemblé avec des gens qui aiment Allah. C'est comme ça, son cœur va tendre là-dessus, les rappels. Donc, tu vas te retrouver dans un lieu dans lequel tu ne te serais pas retrouvé s'il n'y avait pas cet amour d'Allah. Donc, finalement, l'amour d'Allah a été une boussole, a été un guide qui t'amène à rencontrer des gens avec lesquels tu vas tisser des liens très très forts, tu vois, et avec lesquels tu vas te projeter dans des projets sur le long terme, tant qu'on a de la vie sur Terre, tu vois.
Et là, voilà, Inch'Allah ta'ala, avec Malik, là, on va faire, on espère, Inch'Allah, que, en tout cas, les causes sont mises en œuvre pour pouvoir le faire, mais un voyage de groupe humanitaire, qui aurait imaginé ça, ni lui, ni moi, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et je suis content, tu vois. Et je sens l'amour, hein, c'est-à-dire que moi, subhanallah, le frère, je l'aime beaucoup, mais je sens aussi que lui aussi, il m'aime beaucoup. Mais pourquoi on s'aime, en fait? C'est parce qu'on aime Allah, en fait. Parce qu'il y a Allah qui nous réunit, tu vois. Et je trouve ça magnifique, tu vois. Je trouve qu'on ne met pas ça assez ça en avant, tu vois. Peut-être que certains le font, mais peut-être pas assez, tu vois. De mettre en avant cet amour d'Allah, tu vois, que quand ton cœur il est animé par cet amour d'Allah, tabaraka ta'ala, et la recherche de son agrément, ça transforme ta vie. Et ça transforme même ton cercle de proches, tu vois. Ça transforme ta réalité. Et ça t'amène à vivre des choses, expérimenter, tu vois, faire des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé, tu vois. Moi, c'est ça qui me marque, tu vois. Moi, je n'ai pas envie de vivre une vie, tu vois, comme un TGV. Tu vois rien, en fait. Ta vie, elle passe comme TGV et tu ne prends pas le temps d'observer, de méditer, de profiter de ce cadre qui est autour de toi. Imaginons un TGV qui traverse, tu vois, une forêt magnifique, tu vois, un beau champ et tout, tu vois. Des fois, notre vie, on la mène comme des TGV, hein. C'est-à-dire, tu avances. Non, moi, j'ai envie de ressentir, tu vois, de vivre. Quand je suis en live, par exemple, ici avec vous, voilà, là, je vous parle un peu, je prends Malik parce qu'il est avec moi ici en live, en vidéo, mais il y a plein, il y a Malik, mais il y a encore plein d'autres choses, en fait, qui sont le fruit, justement, de cette recherche de l'amour d'Allah. Mais c'est incroyable quand tu médites et tu prends le temps de t'arrêter et tu vois que finalement, toutes ces relations, tous ces liens, tous ces projets qui voient le jour, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a planifié tout ça. C'est lui qui a organisé tout ça. Et ça part de quoi? Ça part de cette foi intérieure, en fait. Cet élément, cette boussole intérieure qui te pousse intérieurement à dire, Ya Rab, j'ai besoin de ta guidée, j'ai besoin, en fait, de ta proximité. Ya Rab, mets autour de moi les personnes, les situations et les choses qui m'amèneront à te connaître davantage et à tisser des liens vrais. Je suis quelqu'un aussi pour lequel c'est très, très important d'avoir des liens vrais. J'aime pas le superficiel. J'aime pas le côté théâtral comme ça, le côté faux semblant. Moi, j'aime bien les vraies relations, en fait. Je sais pas faire semblant aussi. Si j'aime bien, j'aime bien. Si j'aime pas, j'aime pas. Je pense que c'est important aussi de cultiver à l'intérieur de nous le fait qu'on n'a pas besoin de porter de masque, en fait. On n'a pas besoin de se montrer comme on n'est pas pour être aimé, apprécié, voilà, trouver de la chaleur humaine et tout. Non, il suffit d'être soi-même. Et il suffit, en fait, de tendre vers la recherche de l'amour d'Allah, en fait, avant tout. Et c'est ça, quand je dis être soi-même, c'est être débarrassé aussi, hein, de tous ces mécanismes intérieurs qui nous amènent à fonctionner des fois avec les gens, mais pas de la bonne manière, avec des postures soit de victime, persécuteur ou sauveur. Mais non, d'être détaché de ça, quoi. Lâcher prise, de rechercher, en fait, je dirais, cet amour inconditionnel, d'aimer Allah de manière inconditionnelle et de vouloir le bien pour nos frères et sœurs de manière inconditionnelle. Tu le fais lillah, en fait. Tu le fais pas avec des intentions derrière d'avoir ceci ou cela. Non, tu le fais parce que voilà, c'est ta nature intérieure, c'est ton amour d'Allah qui te pousse à faire et tu es content de faire sans attendre de retour, en fait. Je sais pas, Malik, qu'est-ce que ça te dit? Parce que là, je suis en mode freestyle, frère. J'ai du mal à te couper. Hein. Non, 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 je te laisse. je te rejoins dans ça. Après, Allah, dans le Coran, il dit, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits sur vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Et en fait, ce verset, bon, en fait, c'est tu le lis, tu le lis, tu le lis, mais quand tu te poses et tu médites, en fait, quoi qu'il arrive dans ta vie, que ce soit une épreuve, que ce soit une maladie, que ce soit un décès, que reste reconnaissant. Reste reconnaissant parce que tu sais pas ce que cette épreuve va te faire, va te rendre, comment va te rendre. Moi, il y a encore 5 ans, j'étais un diable. Et Allah, il m'a extirpé de ça. Et genre, quand je dis extirpé, c'est genre, il m'a forcé, quoi. Il m'a mis une maladie qui est douloureuse. Quand je dis toujours, c'est un fragment de l'enfer, j'ai goûté. C'est une douleur continue pendant 2 ans. Donc imaginez une brûlure dans les yeux. Abou Bakr, efface la question parce que les gens ils pensent qu'on répond encore à la question, faut que tu cliques Ah ouais, dessus. Ouais. que je l'ai effacé, ouais, je l'ai effacé. Du coup, je disais en fait, c'est comme si j'avais goûté un fragment de l'enfer. Et après, quand tu goûtes un fragment de l'enfer, 1%, 0,000, une douleur continue de entre 1 et 5. Voilà. Mais dites-vous continue. Comme si vous avez gazé. Mais comment vous voulez, si ça ne vous met pas dans le droit chemin, ça, si vous ne croyez pas en Allah, mais comment vous vous tenez? Et en fait,
Cette maladie-là, elle m'a remis sur le droit chemin. En fait, j'avais pas le choix de suivre mon chemin. Je me suis dit, bon, là, je souffre. Bon, autant je vais au paradis. Parce que si je vais en enfer et je souffre ici, j'ai tout perdu. Du coup, j'étais forcé de suivre ce chemin. Et c'est là que ce verset, ça me parle après. Ah, mais en fait, d'accord. Et après, je me suis dit, alhamdoulillah. En fait, c'était un bien. À chaque fois, je dis alhamdoulillah. Alors, il m'envoie des. Notre prof. Je suis dans un institut, la prof, elle disait, en fait, qu'Allah, il vous donne des opportunités. C'est comme si, et vous avez le choix, soit de la prendre, soit de pas la prendre. Si vous ne la prenez pas, vous descendez. Et pareil, encore, il va vous donner des opportunités. Jusqu'à la fin de votre vie, il va vous donner des opportunités. Et faut les saisir, même si elles sont petites, hein, parce que si vous les saisissez, bah Allah, il vous en donnera une autre. Et vous allez faire que monter. Et après, vous allez dépasser un stade qui fait que vous ne pouvez plus descendre après. C'est comme la prière, si vous avez du mal à faire, il y a pris les 5 prières obligatoires à l'heure. Prenez les opportunités qu'il vous donne et un jour vous allez dépasser un stade où vous ne pourrez plus la rater. Impossible, vous pouvez. Et c'est ça en fait, c'est avancer, 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 mais ne jamais reculer. Et elle a parlé aussi d'un. Elle a pris une image de GPS. Elle dit il faut rester focus sur la destination. On peut prendre des détours, mais ne fait pas marche arrière. Parce que derrière, il y a un mur. Que vous vouliez ou non, faut aller. Faut suivre le GPS. Le GPS, il nous dit c'est le paradis. Faut prendre quelques détours, mais faut pas faire marche arrière. Si vous faites marche arrière, c'est mort. Et du coup, moi je le vois comme une opportunité qu'Allah nous a mis ensemble. Que c'était via un live. Moi, je le regardais sur YouTube. J'ai dit, tiens, je vais lui proposer un live. Mais je me suis dit, jamais il va me répondre. Il m'a répondu. Je lui ai dit, c'est bizarre ça. Après, il y a Ismail, l'imam de Marseille, il me répond. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Qui suis-je moi? J'ai pas fait d'études, j'ai rien fait, je sais pas lire l'arabe. Comment ça se fait qu'ils répondent? Mais c'est par là, c'est par Allah en fait. C'est tout. Et c'est là que je me dis, mais subhanallah, Allah, il m'a donné des choses. Mais il y a 3 ans en arrière, quand je vous dis, j'imaginais même pas tout cela. Là, on va faire un voyage humanitaire, par exemple. Mais il y a encore 3 semaines, je ne savais pas que j'allais faire un voyage humanitaire. Et le voyage humanitaire, il s'est fait tellement facilement, car moi je disais à Abouba, non, on va pas pouvoir y aller, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes, c'est trop cher. Et là, alhamdoulilah, on va faire 2 groupes carrément. Donc, juste pour résumer, le voyage, c'est un voyage solidaire. Donc, en fait, moi, j'ai une association humanitaire. Je compte aller à Zanzibar pour développer mon réseau. Et j'ai proposé à Boubac de venir et de ramener des gens. Donc, ça va permettre aux gens de venir voir comment ça se passe réellement et de participer à un projet humanitaire. Donc, ça peut être une construction d'une salle pour une école, pour un orphelinat, pour une madrassa. Et en fait, ça permettra aux gens de voir et d'aider les gens sur place et en même temps profiter d'Abouba qui nous fera des rappels le soir. Et subhanallah, c'est un truc, mais c'est énorme en fait. C'est d'être une cause. En fait, c'est par Allah en fait. Nous, on n'est rien. Je dis, j'ai aucune expérience dans le domaine. Je suis pas dans une agence de voyage. J'ai pas, même l'association humanitaire, j'ai jamais appris. C'est Allah qui m'a donné. Et subhanallah, ça fonctionne. Donc prenez les opportunités que vous avez, même ramassez un papier. Vous trouvez un papier par terre, ramassez-le si vous avez l'opportunité de le faire. Et vous verrez qu'Allah va vous donner plus. Et il faut pas croire que c'est l'argent plus. C'est pas ça, c'est pas les biens. C'est juste une connaissance qui va vous rendre meilleur. C'est un truc de ouf. Moi, je parle beaucoup là. Mais enfin bref, il y a encore des places, les personnes qui souhaitent venir. Vu qu'on a ouvert un deuxième groupe, il y a une liste d'attente, il y a des personnes qui se désistent, etc. Donc si vous voulez participer à ce voyage, il y a le formulaire en description si vous voulez. Donc prenez des opportunités comme ça. Et là, il y a le Hajj qui arrive. Allez-y. Allez-y, c'est ouvert. Là, il y a 2 ans, ce n'était pas ouvert. Qui vous dit que l'année prochaine, ça sera ouvert? Donc si vous avez les moyens, si vous n'êtes pas malade, si, allez-y. Donc. Et dites alhamdoulillah, quoi qu'il arrive. Alhamdoulillah. Ça va pas, mais alhamdoulillah. Ça va, alhamdoulillah. C'est ça, la gratitude. C'est le choukr, c'est ça, hein, Aboubakar, en arabe. C'est avoir d'être reconnaissant. Et n'hésitez pas à demander aussi à Allah. Ça, on a un problème. L'être humain, imaginons que l'être humain. Par exemple, Aboubak, je l'aime beaucoup, il m'aime beaucoup. Mais imagine, je lui demande tous les jours quelque chose, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et un jour, je lui fais un coup de grâce, un coup sale, pardon.
Et je lui redemanderai après. Il va tendre dans le. Non, vas-y, il m'a saoulé, je ne vais pas lui donner. Mais Allah, il n'est pas comme ça. Allah, il n'a pas la logique humaine. L'être humain, il attend le merci inconsciemment. On attend un merci. On attend. Quand on rend service, on n'aime pas que la personne nous la fasse à l'envers. Mais Allah, il n'est pas comme ça. On peut faire des erreurs, Allah, il nous donne quand même. Donc demandez, 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 demandez. Allah. Quand c'est ça, c'est fou quand même. J'ai eu des frissons, frère. ça... J'ai eu des frissons parce que quand tu parlais du voyage, quand tu parlais des choses, je me dis, subhanallah, moi-même, j'aurais pas imaginé, tu vois. Parce que même le voyage, ce que je dis souvent aux personnes, en tout cas, c'est ce que moi je découvre ces derniers temps, moi je le vois, tu vois, c'est que les choses, elles viennent à soi. À partir du moment où tu essayes, je dis bien essayer parce qu'on reste des êtres faibles, mais de cheminer vers Allah et de rechercher son agrément, de purifier, tu vois. De bonifier tes vertus, ben subhanallah, Allah soit allé, il ramène les choses jusque devant ta porte. C'est elles qui viennent à toi, tu vois. Et pour toi, pour pas parler pour moi, je préfère parler pour les autres, ben déjà, tu vois, l'humanitaire, tu vois, le nombre de puits, de cagnottes, est-ce que toi, un jour, tu aurais pensé, tu vois, te retrouver dans l'humanitaire, te retrouver dans, voilà, dans une chose dans laquelle, voilà, tu inviterais les gens à investir pour au-delà, pour aider des gens, tu vois. Et même dans ce voyage, en fait, même ce voyage, subhanallah, les connexions te sont venues comme ça. Et cette amitié qu'on a fait là et cet amour qu'on a fait là a fait que tu m'as proposé, tu vois. Tu m'as demandé, ah, bon, bah, qu'est-ce que tu penses? On a fait une réunion là-dessus, tu vois. Mais jamais de ma vie, j'aurais imaginé, tu vois, que très rapidement, aussi rapidement que ça, ben, les choses, voilà, prennent forme, tu vois. Il y a un groupe, il y a des gens motivés. Ben, mon billet, il est déjà pris, tu vois. Et une bonne partie de ceux qui viennent de mon côté, tu vois. Ont pris leur billet. Et c'est là où je parle des plans divins, tu vois. C'est que nous, dans notre tête, tu vois, on a une vision du monde, on a une vision du futur, on a des projections dans le temps, tu vois, liées à notre planification. Mais en réalité, des choses se passent selon la prédestinée, les plans d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les plans d'Allah sont beaucoup plus beaux que nos plans. Mais en disant ça, voilà, il y a aussi le prix à payer. Quand je dis le prix à payer, ce n'est pas négatif. Hein. C'est de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous la sincérité. C'est la condition sine qua non, en fait, pour arriver justement à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi ceux qui sont sur cette voie droite, hein, sirat mustaqim. Il la qualifie comme étant, donc cette voie, ce chemin, il le qualifie comme étant le chemin de ceux qu'il a comblé de ses bienfaits. Donc le terme utilisé, c'est être comblé de ses bienfaits. Mais le prix, c'est quoi? C'est celui de la sincérité, pas de la perfection, parce qu'on ne sera jamais parfait. Le disait tout à l'heure Malik, voilà, on reste des êtres humains, voilà, chacun a, voilà, ses failles, les choses sur lesquelles il doit travailler. Mais ce qui va compter, c'est le cœur, en fait, la sincérité du cœur et les actes, en fait, les efforts. Ce sont les efforts, en fait, qui vont amener la personne à se rapprocher d'Allah Tabaraka Ta'ala. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Ce qu'on dit là, c'est accessible à monsieur et madame tout le monde. Parce que la sincérité, c'est un état du cœur. Et le fait de mettre en œuvre les causes et de cheminer, c'est accessible à tout le monde. La perfection, ce n'est pas accessible à l'être humain. Mais les deux éléments que j'ai cités sont accessibles. Donc, à nous de choisir celui ou celle qui veut qu'il croit, qu'il avance dans la bonne direction, qu'il fasse ce choix-là. Et il verra par la grâce divine une paix, en fait, s'installer dans son cœur inégalable. Parce qu'effectivement, la foi et la confiance en Allah, des fois la réalité ne va pas changer. Mais ce n'est pas la réalité qui l'emporte, ce n'est pas le monde extérieur. C'est le monde intérieur qui va influencer la perception de l'extérieur. Donc quand je cultive à l'intérieur de mon cœur cette gratitude, voilà Malik par exemple, il aurait pu se morfondre, se dire, ouais, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette épreuve? Mes yeux qui me piquent autant avec une telle souffrance, moi je ne comprends pas. Non. Lui, il a à l'intérieur de son cœur, il a décidé de cultiver la gratitude. Il a vu à travers cela un cadeau divin. Ben, sa manière de percevoir les choses l'amène justement, même s'il a mal, hein, ça n'efface pas la douleur, ça n'efface pas la mise à l'épreuve, mais il y a une paix intérieure qui s'installe dans son cœur par le fait d'accueillir ce qu'Allah Tabaraka a décrété pour lui. Et donc le malheur de l'être humain, il n'est pas forcément lié qu'à la réalité extérieure. Le vrai malheur de l'être humain, c'est de ne pas être en mesure intérieurement d'accueillir le décret divin. Et de faire avec. C'est ça le vrai malheur. Et moi, la voie que je vous invite à prendre, c'est celle justement de l'accueil.
et de voir même dans derrière les choses les plus difficiles, les plus pénibles en fait, cette grâce divine. Malik, qu'est-ce que t'en penses? Je te fais participer aujourd'hui, tu vas travailler, mon frère. J'ai assez parlé là, tu crois pas là? Non, J'ai des j'aime bien. paroles là. J'ai besoin d'entendre, frère. Moi, je faut pas penser que ouais, y a que voilà, moi je suis dans le live, donc mes paroles. Je pense personnellement, j'ai le droit de penser ce que je veux aussi, que tes paroles sont peut-être plus impactantes que les miennes, quoi. C'est pour ça que je te fais parler, parce que c'est du vécu, tu vois. Quand tu vas parler de quelque chose que tu connais, que tu vis au quotidien. Donc pour moi, ta parole, en tout cas, de mon point de vue, pour mes oreilles à moi, elle ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, même si je suis sourd d'une oreille. Mais là, je t'entends. C'est bon. Ouais, non, je te rejoins. C'est après, je vais pas te dire que c'était facile, hein. J'ai eu ces moments de pourquoi Allah me fait ça, tu vois. Mais alhamdoulilah, t'es bien entouré. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils me remettaient sur le droit chemin. Parce que Shaitan, il vient quand t'es dans cet état-là, il vient, il te termine, tu vois. Ah ouais, t'as fait ça, voilà, là, il t'a puni, tu vois. Donc, t'as plein d'idées néfastes qui viennent et après, les gens, ils veulent t'aider, tout ça. Mais je me souviendrai toujours quand j'étais dans un état lamentable, ça, j'en pouvais plus, je pétais un câble. J'ai appelé l'imam de mon quartier et je lui dis, je peux te parler? Il m'a vu, genre, larmes aux yeux, il m'a dit, qu'est-ce qu'il. Oulala, il est pas bien, lui. Il m'a dit, monte dans la voiture. On a fait un tour dans la voiture. Et moi, je lui raconte, je lui dis, voilà, j'ai souffre tous les jours, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Mais genre, j'ai mal, c'est pas j'ai mal un peu, c'est genre tout le temps, genre même la nuit. Je me lève la nuit, ça. Et il me dit, il m'a raconté les histoires des prophètes. Il m'a cité Ayoub, il m'a cité toutes les histoires des prophètes, tu vois. Je dis, ah ouais, d'accord, en fait. Ah ouais, d'accord, en fait. Donc après j'ai compris, tu vois, genre, mais en fait, c'est normal d'être éprouvé. Parce que dans le Coran, il dit. Ah. Encore avec Oh nous. non, je suis là, en fait, des fois, je parle, je m'arrête, je pense au truc, tu vois, et je rentre loin, tu vois. Alors là, il éprouve ce qu'il aime, tu vois, et tu dis, mais en fait, c'est là en fait, ça par les Chinois, tu vas aller au paradis, mais tu veux pas d'épreuves. Et les prophètes, ils ont tous souffert, et beaucoup plus que toi. Et tu es là, tu te plains, et tu veux faire comme eux, mais tu veux pas vivre comme eux. Et là, il te met une épreuve, mais toi, après voilà, tu médites. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit une phrase qui m'a marqué, il m'a dit, tu verras, il y a une sagesse derrière. Je peux pas te dire c'est quoi, je sais pas. Il m'a dit, je sais que tu souffres. Mais il m'a dit, il y a une sagesse derrière, tu vas voir, tu vas la trouver bientôt. Et chaque jour, j'allais à la mosquée 5 fois par. Et puis, les doigts de quand tu es malade, ce n'est pas les doigts qu'on a pris une prière, là, toute. Tu penses à l'argent, tu penses à ton loyer, tu penses. Non, non. Les doigts quand tu es malade, là, elles sont sincères, hein. C'est ça l'ingratitude, c'est qu'on est ingrat, nous. On fait des doigts puissants que quand on est malade ou quand on a quelque chose de. Quand on souffre, quand on n'est pas bien, quand on a divorcé, quand. Mais en fait, non, les invocations, il faut qu'elles soient puissantes tout le temps. Mais alhamdoulilah, j'étais bien entouré, du coup. Donc j'allais à la mosquée, je m'occupais comme ça, comme j'aurais pu m'occuper à faire plein d'autres choses haram. Mais alhamdoulilah, j'étais bien entouré, du coup. Et alhamdoulilah, le moment, le pic, c'était quand j'étais à l'hôpital et il m'a fait un traitement à la kétamine, tout ça, bref, un gros traitement pour soulager la douleur. Et c'est là, Allah, il a décidé que je lance un milieu islam, entre guillemets, genre, je commence à inviter les gens en live. Et c'est là que je t'avais invité, j'étais à l'hôpital. Non, Et là, j'ai compris. Là, j'ai compris le truc. J'ai dit, ah, d'accord. En fait, Allah, il veut que je fasse ça. Et donc, je l'ai saisi, en fait. J'ai pas tourné le dos. Maintenant, il faut faire les causes. Comme le professeur Salim, quand il a quitté Mecca, quand il est allé se faire tuer par les Quraychites, bah, il a fait les causes. Pardon, et par exemple, il est sorti en journée pour aller voir Abou Bakr. Et en journée, c'était au Bled ou en Arabie. Il fait chaud, il n'y a personne dans les rues. Donc, il a fait ça pour que personne ne le voit. Il a fait une stratégie. Oui, on va partir le soir avant. On va mettre Ali dans le lit. Donc, en fait, il a fait les causes alors que c'est le prophète, Salim. C'est fou quand même, c'est le prophète. Allah le protège, mais il prit les causes. Et on se dit, subhanallah. Donc en fait, il faut faire les causes aussi. Donc Allah, il vous met le chemin, et il vous facilite après. Il vous facilite, ça vient tout seul, comme tu as dit, ça vient, tu vois. Ayez la conscience éveillée d'Allah. Ça nous le dit souvent en cours. En fait, la conscience éveillée d'Allah, c'est de.
nous a pris l'exemple d'une bouteille. Oui, une bouteille, posez-la devant vous. Et à un moment donné, vous allez parler avec les gens, vous allez parler, vous allez parler, vous êtes en train de discuter avec des personnes, et à un moment donné, la bouteille, vous allez l'oublier. Et bien là, dites-vous qu'en fait, la bouteille, c'est comme si c'était Allah, Allah, il est tout le temps là. Même si vous l'oubliez, il est là. Et en fait, la conscience éveillée d'Allah, c'est que tu penses à Allah tout le temps. Et quand tu arrives à ce niveau-là, que tout le temps tu penses à lui, bah tu l'obéis et tu fais les bonnes actions. Mais d'abord, il faut développer cette conscience éveillée d'Allah. Il faut vraiment tout le temps penser à Allah. Dire qu'Allah nous voit tout le temps. Et c'est difficile, hein. Et là, je vais raccrocher peut-être cela et je vais regarder la télé, je vais oublier. Par exemple, il y a la prière, il y a un match de foot, il y a la 90e minute, il y a un pénalty, la finale, il y a la prière, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est dur, hein, de se lever et d'aller prier. Peu importe, après je dis le foot, mais pour les femmes, ça peut être autre chose. Donc, je sais même pas si c'était ça que tu avais dit avant. C'était ici, voilà, on est dans un échange, tu vois, justement pour comprendre. L'idée, c'est à travers ton témoignage de comprendre qu'on passe par des états intérieurs, tu vois. Quand on est amené à vivre des choses, être percuté. Dans le Coran, on parle même de, tu vois, le terme utilisé, c'est comme quand on touche une cible, en fait, tu vois. Le monsiba. Iza asabatuhum monsibatun. Lorsqu'ils sont touchés, asabatuhum monsibatun. Donc, touchés en plein cœur, on va dire ça comme ça. Par une moussiba, par une épreuve, une difficulté, ceux-ci répondent Inna lillah, nous appartenons à Allah, wa inna ilayhi raji'un. Et c'est vers lui que nous allons retourner. Et en fait, il y a une beauté dans ce verset-là. Pourquoi? Parce que dès le départ, Allah dit Subhanah, wa bashir as-sabirin, et annonce la bonne nouvelle. Donc, ce qu'il faut faire quand il y a quelqu'un qui est touché par une moussiba, c'est annonce la bonne nouvelle à qui? Wa bashir as-sabirin, annonce la bonne nouvelle aux endurants. Donc le remède, la solution, la posture à avoir lorsqu'on est face à ce genre de choses, c'est quoi? C'est sabr. Parce que la bonne nouvelle, elle est pour qui? Pour les endurants, pas pour les autres. C'est quoi l'endurance? C'est celui qui, par rapport à ça, essaie de voir dans sa foi, trouver dans la foi les ressources pour pouvoir tenir la tête hors de l'eau. Sabr, il vient de ça, il vient du fait d'encaisser en fait une chose qui te tombe dessus, et tu l'encaisses avec quoi? Ça veut dire tu vas chercher ta force dans quoi? Dans ton lien avec Allah. Dans cette présence d'Allah dans ton cœur, dans cette confiance et cette bonne opinion en lui. Et donc là, il y a une bouche, alors une bonne annonce. Il dit Wabashiri sabiri, annonce la bonne nouvelle aux endurants. Et il est décrit Alladhina idha asabat musibatun qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils sont frappés, moi je rajoute en plein cœur, hein, c'est pour montrer la cible, par une épreuve, proclament en fait. Ils disent Inna lillah, nous appartenons à Allah. C'est puissant, hein? Elle est puissante cette phrase. Nous appartenons à Allah. Au moment où tu es dans le cœur de l'épreuve, ce n'est pas la première chose qui vient, hein, si ce n'est pour ceux qui ont la foi. Inna lillah, ça comprend l'état de servitude totale. C'est-à-dire, je ne suis qu'une créature d'Allah. Ça comprend le sens qu'il fait de moi ce qu'il veut. Inna lillah, je lui appartiens. J'accepte et j'accueille tout ce qu'Allah aura décidé pour moi. Donc le Inna lillah, si on devait rentrer dans la profondeur intérieure, c'est un état intérieur par lequel tout ce qui me vient de mon Seigneur et tout ce qu'il décide pour moi, je l'accepte parce que je considère que je lui appartiens. Et je considère qu'il a la légitimité, le droit de faire de ma vie ce qu'il veut. Et il y a le rajout, inna ilayhi raji'un. Et c'est vers lui que sera le retour. Pourquoi? Parce que quand on dit inna lillah, j'appartiens à Allah, au fond du cœur du croyant, de la croyante, le fond du cœur, vraiment le fond, c'est un état intérieur dans lequel ou par lequel la personne elle a une bonne opinion d'Allah. Au fond d'elle, elle sait très bien que ce qu'elle est en train de vivre, ce qui la touche, ce n'est pas pour son âme, ce n'est pas pour son mal. Que ce qu'Allah lui fait vivre, il y a une sagesse, qu'Allah est miséricordieux, qu'Allah est généreux, qu'Allah est le bon, qu'Allah est le latif, celui qui t'accorde ses dons de manière insoupçonnée. Et donc toute cette considération, en fait, c'est-à-dire toute cette bonne opinion d'Allah qui est le fruit de la connaissance de ses noms et de ses attributs implique quoi? Implique un lâcher-prise. Inna lillah, c'est un lâcher-prise. J'appartiens à Allah. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui le malik. C'est lui le maître. On peut revenir à Sourate al-Mulk. C'est lui qui décide. Je n'ai pas de pouvoir. La hawla wa la quwwata illa billah. Je n'ai pas la capacité de passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre, même d'un état intérieur à un autre, ni la force de le faire que par Allah tabaraka wa ta'ala.
C'est ce que je recherche. Et c'est vers lui que sera le retour. C'est auprès de lui que je cherche. J'attends la récompense, la libération, etc., etc. Donc là, j'ai envie de te dire que si on reprend le verset donne le contexte, en fait, d'être frappé, hein, on va dire en plein cœur par une monséba. Ben là, il y a une bouchara et une bonne annonce, en fait, pour qui? Pour ceux qui endurent. Donc l'endurance fait partie des vertus et des qualités recherchées par notre Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas espérer une vie en fait où il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'endurance en fait. Vu que l'endurance est une qualité aimée par Allah, qui amène, Allah aime les endurants, c'est dans le Coran, Allah aime les endurants, et même dans le Coran, Allah subhanahu wa dit, et il accordera aux endurants une récompense sans compter, ce qui dépasse en fait ce qu'il pourrait imaginer. Mais la condition, c'est d'être endurant. Et d'ailleurs, le prophète a maintes et maintes reprises, Allah lui a dit lorsqu'il était vraiment éprouvé, malmené par les polythéistes de Quraysh, Fasbir, sabran jamila. Fasbir, endure, sabran jamila, d'une belle endurance. C'est-à-dire que l'endurance qui est la nôtre, elle est belle comme toi, par exemple. T'as mal, c'est une épreuve, mais t'as des belles paroles, c'est beau à voir, tu vois, quand on t'entend parler avec l'épreuve que t'as et tout, et le fait que t'es pas dans la plainte et tout, c'est ça la beauté. Sabran jamila, c'est j'endure, mais ma manière d'endurer, elle est belle. On pourrait même dire, elle est esthétique, elle est agréable, ça fait plaisir quand tu vois quelqu'un qui est amené à vivre une épreuve mais qui dit Alhamdoulilah, tu vois sur son visage en fait cette acceptation du décret et tout, même s'il souffre ou quoi, tu vois, c'est beau. Le fait de ne pas être beau, c'est la plainte, c'est le fait d'être grincheux, c'est de ne plus pouvoir parler aux gens, c'est de s'apitoyer sur son sort, ça c'est pas beau ça. Comme l'enfant roi, hein, lorsque on lui refuse des choses, qui se met à être grincheux. Ah voilà, faire des grimaces et tout, c'est pas beau, c'est laid. Ça qu'on recherche à travers notre vie, notre vécu. Cet état de servitude, cet état de considérer j'appartiens à Allah. Et je ne laisserai jamais une chose de la vie, une épreuve, une difficulté, une privation, quoi, m'amener à penser de mon Seigneur une chose qui ne sied pas à sa majesté. Quoi qu'il arrive, quoi que je puisse subir, Allah tabaraka ta'ala, l'amour que j'ai pour Allah tabaraka est inconditionnel. C'est un amour pour la vie, c'est un amour intense, c'est un amour auquel je tiens plus que toute chose. Donc si je perds telle et telle chose, tant que j'ai Allah, c'est ça le plus important. Et là, on le voit avec le sacrifice qu'était prêt à faire Ibrahim alayhi salam avec son fils Ismaïl. On est vraiment là-dedans, en fait. C'est qu'à un certain moment, ok, je vois, c'est-à-dire lui, hein, il a vu qu'il devait sacrifier son fils, c'est exécuté. Ça ne veut pas dire qu'il n'en souffrait pas et que ce n'était pas dur. Ah, il avait mal. Mais jamais de la vie, il y aura un obstacle entre lui et Allah Tabaraka. C'est ça qui est beau. C'est pour ça qu'Allah, dans ce verset-là, il dit Oulaïka alayhim salawatu min rabbihim wa rahmah. Ceux-ci se verront accorder de leur Seigneur des prières, des louanges, des prières, des éloges. Wa rahmah, une miséricorde. Et il rajoute quoi? Oulaïka humul muhtadin. Ceux-ci sont les bien guidés. Ils ont tout compris. Ils ont compris le pourquoi du comment. Ils ont compris comment répondre, comment agir. Ils ont compris. Ils sont sur la bonne route. Ceux-là, ils vont arriver à bon port. À méditer. À méditer. Moi, je vais m'arrêter là-dessus. Désolé pour les questions qui ont été posées. Inch'Allah, je veillerai, Inch'Allah, tout à l'heure, faire un live spécial questions-réponses. Aujourd'hui, ce n'était pas dans l'intention de faire des questions-réponses, même si voilà, il y en a eu quelques-unes qui sont venues, mais c'était plutôt pour partager des choses. Et il faut savoir que le message aujourd'hui que je vous ai partagé, même si je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais là on est dans le cœur, on est vraiment dans une chose qui est la plus importante, qui est beaucoup plus profonde en fait que les questions juridiques ou quoi. Parce que là on est vraiment dans le cœur de la manière dont on doit interagir avec le monde. On est dans le cœur de notre mission sur Terre. Donc même si voilà, je n'ai pas pu être en mesure de répondre à vos questions et tout, ça viendra. On essaiera de consacrer du temps pour ça. Là, pendant une semaine, je vais prier avec le séminaire qui est à Tanger. Les personnes vont arriver demain. Pendant une semaine, je ne serai pas libre. Mais aujourd'hui, voilà, j'avais vraiment un message important du cœur à vous transmettre. Et voilà, c'est un message qui vient vraiment. Quand je dis du cœur, c'est ce qui vient vraiment du. S'il y avait un noyau dans mon cœur le plus profond, ben c'est ça que j'ai partagé avec vous. Et pour moi, ce que j'ai partagé, c'est la base des bases. C'est vraiment la base des bases de notre religion. Tout le reste tourne autour de ça. Donc voilà, cher Dantala.
Pour les questions, malheureusement, je ne pourrais pas y répondre parce qu'il y en a plein. Ici, là, la boîte à questions, elle est full. Sachant que moi, demain, donc, il y a le séminaire qui commence. Donc, déjà, le fait que je me connecte en live, je ne sais pas ce qui m'a amené. Il y a quelque chose qui m'a amené à me dire vas-y, alors que franchement, j'ai une longue journée. Mais voilà, je m'arrête là-dessus, Inch'Allah. J'essaierai, dès que possible, de revenir. Et à ce moment-là, Inch'Allah, j'essaierai de répondre aux questions. Là, c'est Malik qui le gérera, parce que j'aime bien quand Malik il gère, lui, il est très fort pour ça, donc c'est lui qui s'occupera. Là, c'est moi qui suis monté en live. Prochaine fois, si on fait un live, Inch'Allah, c'est Malik qui montera comme ça, il gérera les questions et tout. Et là, on fera vraiment, voilà, question, 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 à la chaîne, comme je le faisais d'habitude. Et je donnerai le temps qu'il faut, Inch'Allah. Malik, il sait que s'il faut donner le temps, quand je l'ai, je le donne, mais ici, voilà, je vais m'arrêter là-dessus, parce que je voulais vraiment que ce soit pas long. Je pense que là, j'ai fait au moins 1 heure. Et c'est quand Profitable. même beaucoup. Voilà, l'idée, c'était de faire quelque chose de profitable. Voilà quoi. Mais si je dois voilà, m'atteler aux questions, on est là jusqu'à 3 heures du matin, c'est pas possible. C'est pas Les possible. questions, Donc, si y en a, ils souhaitent vraiment avoir une réponse. Il y a un groupe Telegram Milieu Islam. Vous rejoignez, il y a l'imam Younes, il pourra répondre chaque dimanche. Si vraiment c'est important et vous n'avez pas le temps d'attendre le prochain live, Ouais. allez-y, c'est en description. Les personnes qui souhaitent avoir plus d'infos sur le voyage qu'on va faire à Kaboubak, pareil, en description, il y a toutes les infos, il y a un formulaire à remplir. Et si vous souhaitez faire un don, bismillah, il y a notre association. Vous appuyez sur le titre en haut à gauche, vous retrouverez tous les projets qu'on a fait. Alhamdulillah, je vous invite à donner, donner, donner. Alhamdulillah. Qu'Allah vous récompense déjà d'être là à minuit, à écouter un rappel. Et ne l'écoutez pas comme si c'était une musique ou une radio. Ou... Non, ensuite, faut pratiquer, enfin, faut mettre en pratique. Ça le problème chez nous, les musulmans, c'est qu'on écoute les rappels, les rappels, les rappels, les conférences, mais on n'applique pas, ça à rien. Si on n'applique pas, ça marche pas. Donc, n'oubliez pas qu'il faut faire les causes. Et c'est ce qu'Allah nous demande. C'est bien beau, mais faut faire. Donc là, même moi, elle m'a mis une claque à Abou Bakr, donc je me remets en question. Là, je vais aller prier. J'ai pas fait chez Fellow. J'ai dit vas-y, je vais le faire après. Et après, on dort et après. Donc, en fait, ces moments-là, ça nous rappelle. C'est juste ça. Ah oui, c'est vrai, on va mourir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça, la réalité, c'est qu'on va mourir. Tout ça, là, c'est de la comédie. On va se réveiller le jour du jugement. Je sais pas si vous avez. Je sais plus c'est qui m'avait donné cette image. C'est comme un rêve. Vous voyez, un rêve. On rêve, on se réveille, on se rappelle du rêve et tout d'un coup, il disparaît, le rêve. Et pas quand le jour du jugement, on va se réveiller, ce sera ça la vie. Ça va disparaître. C'est tout ça, faut œuvrer, hein. Doa, Boubak. Inch'Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde la piété, la taqwa, zakkaha, anta khayru man zakkaha. On implore Allah tabaraka wa ta'ala de purifier nos âmes et de bonifier les vertus de nos âmes. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban-nar. Qu'Allah nous accorde tout bien dans ce monde et tout bien dans notre monde et qui nous préserve du feu d'enfer. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde la délivrance à toutes les personnes ici qui se sont donné la peine d'envoyer des messages et qui cherchent du réconfort. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala libère leur cœur de ce poids, de cette charge émotionnelle. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que par sa grâce, les montagnes que celles-ci sont amenées à porter puissent se dissiper, s'évaporer, disparaître complètement. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse descendre sur leur cœur et leur poitrine la sakina, l'apaisement, la sérénité, la paix. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde toutes et tous tout bien dans ce monde et dans l'autre, qui nous préserve du mal apparent et caché, de ce que la vie contient. Qu'Allah ta'ala guide notre cœur vers la voie la plus droite. Qu'Allah ta'ala stabilise nos pas sur la voie Sirat Mustaqim, sur la voie qui amène la paix, qui amène la grâce divine. Qu'Allah ta'ala libère toutes les personnes qui sont éprouvées ou qui vivent des choses difficiles. Qu'il les libère en fait de ces chaînes en fait qui les tiennent, on va dire ça comme ça, hein, par les chevilles. Allah Ta'ala nous accorde toutes et tous l'expiation de nos péchés, qui nous élève en degré, qui nous compte parmi ses élus, et qu'il fasse de nous les habitants de l'Firdaws al-A'la pour enfin commencer une vie de bonheur pour l'éternité, qu'il nous donne la force de pouvoir endurer nos épreuves, qu'il nous permette de pouvoir dire Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, vraiment de notre cœur, au moment où les épreuves s'abattront sur nous.
qu'Allah Tabaraka nous compte parmi ceux sur lesquels il fera descendre ses prières, ses louanges, il fera descendre sa rahma, qu'Allah Tabaraka nous permette par sa grâce de pouvoir nous délecter de la vision de son visage sublime. Amin ya Rabb, wa salli Allahumma wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Voilà, pour le replay, ceux qui sont arrivés en retard, inshallah, je mettrai le replay sur le compte Instagram, inshallah. Et s'il n'y a plus de vidéo, ça fait un petit temps, c'est parce que le monteur vidéo, là, il est parti. Voilà, il est en congé, il n'a pas encore fini. Donc, dès qu'il reviendra, il reprendra le compte Instagram, parce que c'est lui qui le gère, hein. C'est lui qui met les vidéos, mais aussi les statuts, quand c'est pas moi qui filme le PC ou quoi. Là, voilà, il est en pause. C'est pour ça que sur YouTube, sur Instagram, il est en pause. Même sur le nouveau compte mariage que j'ai créé sur Instagram, bah, il a d'autres vidéos. Il y en a 7 au total qui ont déjà été filmées. Mais dès qu'il revient, il va relancer la machine, Inch'Allah. Ça va. Et pour Malik, comme il vous a dit, hein, il suffit d'aller sur son compte. Vous allez retrouver sur son compte les liens qu'il faut pour les questions pour l'imam Younes. Bah, vous pouvez intégrer le groupe Telegram et noter vos questions, Inch'Allah, mes frères. L'imam Younes répondra avec grand plaisir. Et pour tout ce qui est lié à l'humanitaire et tout, pareil, c'est sur son compte, Inch'Allah. Je le remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous prends de nouveau à témoin que c'est un frère que j'aime fil là. Voilà, nous Allah. Et j'espère que cette amitié, on va la retrouver de l'autre côté pour l'éternité. Et pareil pour vous, sachez que je vous aime en Allah Ta'ala et que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Que des belles choses dans ce monde. Et je souhaite qu'Allah Ta'ala vous préserve de tout mal apparent et caché. Et nous espérons du fond de notre cœur qu'Allah Ta'ala nous fasse la grâce de pouvoir nous voir de l'autre côté et d'être en sécurité sous l'ombre de son trône le jour où il n'y aura d'autres hommes. Et pourquoi pas peut-être ici sur Terre pour des projets humanitaires ou d'autres choses. Bi-idhnillah. Donc voilà Malik. Barakallahu fik à toi. Je ne sais pas si tu veux clôturer avec quelque chose, mais moi. J'ai dit ce que j'avais à dire. Non, t'inquiète, je mets pas de virgule, moi. Là, t'as tout dit. Ça Salam alaikum va. à tous, et qu'Allah Ah. nous guide et qu'Allah nous accorde la sincérité dans tout ce qu'on dit et dans tout ce qu'on fait. Barakallahu fik. Et désolé, hein, je tiens quand même à présenter mes excuses pour toutes les personnes qui ont écrit dans la boîte à questions. Je suis désolé parce que vous êtes donné la peine d'écrire, mais Inch'Allah. La prochaine fois, Malik, il est témoin que je ferai un live avec Malik et que c'est lui qui montera en premier. Inch'Allah, on prendra le temps pour vos questions. Ça va, Malik, t'es témoin. Inch'Allah, le Inch'Allah, il me sauve. C'est parce que mon intention, elle est noble. Mais on ne sait jamais de quoi est faite la vie. Mais ça fait partie des choses qui font partie de mes intentions. Je te relance. Ça va? Tu me relanceras, Inch'Allah, Malik. À partir du mois de mars, parce que je t'ai dit, pendant une semaine, je vais être pris. Donc, mois de mars, tu me relances, Inch'Allah. Début mars. Ça va? Ça va. الله يحفظك الله ينورك. السلام عليكم تو مون. السلام عليكم.